Bonjour, Adrien. Il y a des questions qui doivent être posées plus d'une fois. Par exemple, quel est le but de la philosophie dans le contexte de notre vocation dominicaine? Est-ce la même chose d'avoir un diplôme en droit ou en médecine que d'avoir étudié la philosophie? Bon, nous avons déjà connu que dans l'histoire de l'Église, et même dans l'histoire de notre tradition dominicaine, il y a un rapport très important entre foi et raison. Même chez Santo Thomas, il a travaillé beaucoup ce thème, notre ancien pape aussi, Benoît XVI. Il nous a parlé aussi de l'importance qu'il y a de. Qu'il y a d'avoir une foi intelligente. Et nous sommes maintenant dans un monde matérialiste, dans un monde immédiatiste, de l'instantanéité, qui demande des solutions pratiques et avec beaucoup de vitesse. À cause de cela, il y a une confusion. Je pense qu'il y a une confusion, malheureusement, entre ce qui sont les fins et les moyens. C'est-à-dire, maintenant, il y a une tentation de rester dans les moyens sans connaître les fins. C'est la question la plus fondamentale, par exemple, la question pourquoi Dieu dans notre vie, la question pour l'homme, qui est l'homme, le pourquoi, de la question la plus fondamentale dans notre vie, sont des questions qui nous donnent les sons, qui nous donnent un chemin. Dans notre vie, comme dans la vie dominicaine. Et parfois, malheureusement, les personnes qui font les critiques les plus fortes sont les prêtres, les séminaristes, les frères, qui ne connaissent pas très bien la philosophie. On parle d'un dépassement de la philosophie sans connaître la philosophie. Et c'est là qu'elle peut donner à la foi et à la recherche de la vérité. Et parfois, pour notre médiocrité, nous cherchons les chemins les plus faciles de passer un savoir sans bien les connaître. Les problèmes comme la souffrance, la douleur, le mal, l'amour, la dignité, sont problèmes qu'il y a beaucoup d'actualité maintenant et qui ouvrent un grand interrogant pour l'homme d'aujourd'hui. Et la dernière chose que je dois dire, c'est que la philosophie ouvre les portes à un humanisme équilibré. C'est là que nous pouvons faire les droits, ou c'est là que nous pouvons faire les médecins, ou c'est là que nous pouvons faire l'ingénieur. Justement ça. Quand nous avons parlé l'année dernière, vous étiez très intéressé par le thème de la révolte ou révolution chez Albert Camus. Je comprends qu'il y a eu une certaine évolution dans votre recherche. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre parcours intellectuel et ce qui est l'objectif actuel de votre travail? Bon, tout à fait, je dois dire que cette recherche a eu trois moments. Et le premier moment comprend en recherche de la révolte et aussi un peu d'un sujet que j'avais travaillé dans les mémoires de Master 2, qui est le thème du sacré, et que j'ai rencontré aussi chez Camus. À ce moment-là, le sujet a été planté comme suit. Peut-on trouver dans la pensée d'Albert Camus les possibilités d'une phénoménologie du divin qu'il soit situé entre le sacré et la révolte, et sert-elle de base comme une règle de conduite dans un monde qui devient absurde? C'est la première fois que j'ai planté le sujet, mais après, j'ai parlé avec mon directeur de thèse. Il m'a dit qu'il faut rencontrer un nouveau schéma. À ce moment-là, j'ai découvert un frère dominicain qui habite en Algérie, concrètement à Oran, et qui a travaillé beaucoup à Albert Camus, qui est mort l'année 2012.
et qui a écrit beaucoup sur lui. Et le sujet, petit à petit, a trouvé un nouveau schéma à ce moment. Et j'ai planté le problème comme suit. La façon dont le père François Chavannes a compris le lien de Camus avec l'Algérie. C'est-à-dire, c'est le père François Chavannes qui a connu Albert Camus, qui a travaillé beaucoup sur lui et qui a habité aussi en Algérie, qui a ouvert ses nouvelles possibilités de recherche. Mais le troisième changement, heureusement, nous l'avons fait le mois dernier. Et le sujet maintenant, dit comme ça, dit, un possible schéma à voir peut-être, c'est Camus et les différents sons du sacré, son approche chez François Chavannes. François Chavannes, c'est le père dominicain qui maintenant m'ouvre ce schéma pour connaître peut-être beaucoup mieux à Albert Camus. François Chavannes a fait beaucoup de travail sur les écrits d'Albert Camus. Au cours du dernier semestre, vous aviez la possibilité de trier les archives de Chavannes. Comment était cette expérience? Que s'est-il laissé pour votre propre effort intellectuel? Bon, en parlant avec mon directeur de thèse, il s'appelle Jean-François Petit, et nous avons trouvé le schéma de le père Chavannes, un père dominicain, j'ai déjà dit, et il m'a demandé pour les archives. Où sont les archives du père Chavannes? J'ai dit, je sais pas où ils sont. Bon, il me dit, il faut chercher les archives du père Chavannes. À ce moment-là, je pensais qu'il se trouve en Algérie, à Oran. Et j'ai dit, bon, il faut contacter l'évêque. C'est un évêque dominicain qui se trouve là-bas. J'ai dit, pour trouver un schéma, une possibilité de rencontrer les archives. Mais heureusement, j'ai demandé ici à la maison. Ils m'ont dit que les archives se trouvent dans les cuveaux de Saint-Jacques, à la bibliothèque du Sorchois. Et bon, j'ai parlé avec les frères bibliothécaires, avec les frères des archives. Et il m'a dit que oui, que les archives se trouvent exactement dans la bibliothèque, mais il faut trier les archives. C'est-à-dire, il a reçu beaucoup de boîtes de l'Algérie avec des autres, avec les archives des autres prêtres aussi. Et exactement les archives du Père Chavannes. Donc il m'a dit, bon, je peux ouvrir ça pour vous, mais il faut trier. J'ai parlé avec mon directeur, il m'a dit, oui, c'est une nouvelle vraiment excellente, il faut profiter de ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à trier les archives, bon, à regarder de manière générale ce qu'il y a dans les boîtes, après faire une petite description de ce qu'il y a dans les boîtes, s'il y a des photos, s'il y a des magasins, s'il y a des journaux, s'il y a des articles, des conférences, toutes les choses qu'il y a. Et après, j'ai fait un inventaire. J'ai fait un inventaire de toutes les choses qui se trouvent. Et dans un premier moment, j'ai trouvé 14 boîtes. Oui. Mais après, j'ai trouvé qu'il manque des documents, des choses. Bon, je l'ai demandé à le frère bibliothécaire, il m'a dit, peut-être le reste des choses se trouvent dans les autres boîtes des archives de l'Algérie. Il faut regarder toutes les choses. Peut-être il y a, ou quelqu'un a volé ça. Mais heureusement, nous avons trouvé les restes des choses. Et maintenant, il y a 19 boîtes d'archives du Père Chavannes. Il a travaillé beaucoup. Et après ça, à la fin, j'ai fait un regard attentif, concrètement de la boîte 7, 8, 9 et 10, où se trouvent les grands, comment dire, la grande masse de travaux du Père Chavannes sur Albert Camus. Bon, heureusement, j'ai la chance de travailler dans les archives de lui. Je suis vraiment content, vraiment heureux. Et surtout, les travaux m'ont enseigné beaucoup dans une nouvelle expérience vraiment scientifique, parce que je trouve que ça, c'est vraiment scientifique. Et maintenant, c'est lui, c'est le frère chaman, justement un frère dominicain qui m'ouvre ce chemin vers Albert Camus.
Albert Camus a été étudié à partir de différents points de vue, notamment en relation avec son athéisme, le silence de Dieu et les problèmes du mal. Je comprends que vous souhaitez mettre l'accent sur une cible différente, c'est la place et l'importance du sacré chez Camus. Qu'est-ce que vous attendez de votre recherche? Bon, chez les Pères Chamans, j'ai trouvé trois schémas pour faire une approche à Albert Camus. Le premier schéma, le plus évident, c'est Camus la religion. Le deuxième schéma, c'est Camus et l'Algérie. Et le troisième schéma, c'est Camus et l'éthique. Mais bon, la question du sacré, évidemment, se trouve dans le premier schéma, c'est-à-dire le schéma de Camus la religion. Le thème du sacré, c'est un thème que j'ai travaillé beaucoup dans mon mémoire de master 2 que j'ai fait en Colombie. Et j'ai travaillé à Maria Zambrano, et la relation de l'homme avec le divin. Et évidemment, dans ce thème, il faut travailler beaucoup la question du sacré. Chez Zambrano, la question du sacré, c'est une imposition, c'est-à-dire le sacré s'impose sur l'homme. Et s'impose sur l'homme, et il y a chez l'homme une espèce de délire de persécution. C'est-à-dire, le sacré s'impose comme s'impose la réalité aussi. Donc, Zambrano dit qu'il faut trouver un schéma pour pouvoir faire apparaître un visage de ces fonds sacrés. Et le schéma que Zambrano a trouvé, c'est le schéma de sacrifice. C'est-à-dire, il faut faire un sacrifice pour faire apparaître un dieu de ces fonds qui est sacré. Donc, Zambrano dit que le visage en Dieu, c'est l'homme qui donne un visage en Dieu. Mais le sacré, l'homme ne peut pas inventer le sacré. Le sacré, c'est une imposition sur l'homme. Mais, curieusement, de manière vraiment étrange, j'ai trouvé que Camus parle de la révolte. Il parle dans la deuxième partie de son livre « L'homme révolté » de la révolte métaphysique. Et Camus dit que la révolte situe à l'homme avant ou après du sacré. C'est-à-dire, pendant que l'homme se trouve dans le sacré donne toutes les réponses. Oui. Et chez Zambrano, le sacré donne peur à l'homme. C'est-à-dire, l'homme doit se cacher parce que le sacré, c'est une imposition sur l'homme. Et l'homme, l'unique schéma qu'il trouve, c'est offrir un sacrifice pour faire attendre le Dieu qui est très, très fort. Mais chez Camus, c'est la révolte. Et l'homme se doit battre contre Dieu. Et c'est là que j'ai trouvé chez Camus, c'est là très intéressant, parce que c'est le schéma de Job, c'est le schéma de Jacob. C'est-à-dire, il faut faire apparaître un Dieu de ses fonds sacrés pour lui demander pour l'existence. Donc, dans la question, vous avez parlé d'un athéisme chez Camus. Mais on ne peut pas parler, selon mon avis, on ne peut pas parler d'athéisme chez Camus. On doit parler peut-être d'agnosticisme chez Camus. Parce que l'affirmation de Dieu, c'est vrai qu'elle ne se trouve pas chez Camus. Mais non plus une annulation ou qu'il dit que Dieu n'existe pas. Il dit peut-être il existe, peut-être il n'existe pas. Mais je ne sais pas, la question pour moi c'est vraiment compliquée, c'est vraiment grande. C'est celle qui dit Camus. Donc, dans ce schéma de recherche, le sacré, j'ai trouvé que le sacré joue un rôle très important chez Camus. Même, il n'y a pas une seule définition de sacré chez Camus. On peut trouver beaucoup différentes manières de travailler ou de traiter le sacré chez Camus. Bon, dans le dernier texte, par exemple, qu'il écrit sur l'Algérie, il écrit une chose magnifique sur la terre, où il dit « il faut rendre la terre aux pauvres,
à les personnes les plus pauvres. Et à la fin, il dit, donnez-leur, c'est-à-dire, donnez la terre aux plus pauvres. Et donnez-leur la terre comme on donne ce qui est sacré à ceux qui sont sacrés, dit Albert Camus dans le dernier texte sur l'Algérie. Finalement, Camus trouve dans le sacré un schéma pour sortir de l'historicisme. C'est-à-dire, Camus se bat contre Hegel, parfois avec l'histoire, avec l'idée de l'histoire comme le divin, la grande divinité. Il dit, il trouve un schéma pour prendre distance de la sacralisation de l'histoire. Il dit, il cherche dans la nature, dans le bonheur, dans la mer, dans le cosmos, dans l'univers, pour dire, le bonheur. Donc, quand Camus fait référence à l'absolu, c'est-à-dire à ce qui est sacré, il met l'accent sur ce qui échappe à l'histoire. Et chez Camus, l'absolu a beaucoup à voir avec la mesure, l'équilibre, la limite, la beauté, la nature, le soleil, la mer, le bonheur et l'amour. En fait, il ose prendre distance avec l'histoire comme unique absolu, ce qui est divinisé par les plus forts, c'est-à-dire les plus forts ont divinisé l'histoire avec l'idée de progrès. Et à cette idée de progrès, les plus pauvres ont été sacrifiés. Donc, chez Camus, il essayait de trouver un nouveau schéma pour prendre distance de cette histoire divinisée. Il a trouvé un schéma sacré dans la nature, on peut dire. Je sais que vous êtes au début de votre travail de doctorat, mais il serait bon de vous entendre. Comment voyez-vous l'avenir de votre recherche à ce point? Bon, je pense que dans un travail doctoral, il faut être un peu prudent dans les dates et il faut savoir écouter tout ce que le directeur de thèse dit. Donc, je ne peux pas parler d'un grand avenir, d'un grand futur, c'est-à-dire à 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais je peux parler peut-être de l'an prochain. Justement, j'ai déjà fait un petit plan de travail provisoire pour l'an prochain que mon directeur de thèse m'a demandé. Et parce que ici, l'année scolaire est déjà finie et elle va commencer en septembre, la fin de septembre. Bon, mais les activités programmées pour l'an prochain, de manière très très générale, c'est justement préciser et ajuster les sujets de thèse. C'est là que nous avons déjà écouté. Et cela prend peut-être un mois ou 15 jours. Et je vais faire ça dans les mois de septembre-octobre. Après, il faut faire des lectures et commencer la recherche d'informations pendant les mois d'octobre pour pouvoir faire la rédaction d'une problématique et planter quelques hypothèses sur la recherche. Et cela sera pendant le mois de novembre. Après, je vais commencer le travail de recherche, que j'appelle travail de recherche A, parce qu'il y a 3-4 moments de recherche. Et dans ce premier moment de travail de recherche A, je prends du mois de novembre jusqu'à février. Je vais travailler à la bibliothèque, et de chercher la bibliographie, et de travailler nouveaux modèles d'archives, d'hyperchaman, comme j'ai déjà dit. Et pendant les mois de mars-avril, 2 mois, je vais commencer la rédaction du projet et d'un plan argumenté, c'est-à-dire je dois faire le plan provisoire de ma thèse. Et pendant les mois avril-juin, je dois rédacter du premier chapitre et ajuster la bibliographie. Et les rapports de première année, je l'ai fait pendant les mois de juin. Donc, c'est ça, c'est le schéma pour la prochaine. Je peux parler seulement de ça parce que ça dépend de ce que me doit dire le directeur et
Et bon, c'est tout. Merci, merci Adrien, merci Non, bien. merci à vous.